Un apprenti réalisateur viendrait me voir, je dirais, ben, premièrement, apprends à vivre, apprends à voir. Ensuite, de prendre son temps pour articuler les choses et les réfléchir. Il faut y croire, et après ça, c'est de ne pas lâcher. Créer des alliances avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que lui. De ne pas s'arrêter au premier obstacle. Aller étudier à l'École nationale de l'humour. C'est cynique comme constat. Allez donner un show au Théâtre Saint-Denis, crissez votre nom sur l'affiche en face, puis on va vous donner du budget pour faire des films. Il y a deux. Pour l'instant, on est obligé de constater qu'il y a deux avenues. Une avenue qui est une avenue extrêmement rapide et très agréable, probablement, qui est celle de devenir un acteur à succès. Quelqu'un qui a du nom, qui est dans le Star System et qui va débarquer pour faire un film. Ça marche à coup sûr. Mais dont on peut dire, en regardant les films qui se font dans ces conditions-là, qu'il n'y a pas vraiment, pour moi en tout cas, d'expertise de réalisation. La deuxième avenue, c'est de questionner vraiment son désir de faire ça, parce que par les temps qui courent, malheureusement, c'est complètement saturé. Et je ne vois pas où ça va se terminer. Il n'y a aucun contingentement. C'est une profession qui est ouverte à tout vent. Alors, ceci dit, ceux qui survivront à ce questionnement-là et qui voudront faire ça, je les invite à faire une école ou à faire du plateau ou à trouver une façon d'entrer dans ce métier-là. Mais c'est sûr qu'une école, ça ne peut pas faire de tort, revoir tous les films d'Eisenstein. Et c'est seulement dans les écoles qu'on fait ça. Aujourd'hui, je dirais à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans de passer par les écoles. Ça va y économiser 10, 15, 20 ans d'expérience. Si on veut s'exprimer, si on veut être capable de faire des choses intéressantes, il faut savoir ce que ça fait une caméra, il faut savoir comment ça se dirige un acteur, il faut voir comment les images interagissent entre elles au montage, les effets spéciaux, ce que ça donne, ce que ça va chercher au point de vue émotion, au point de vue compréhension d'une image. Ces choses-là, au moins dans les écoles, on a au moins, la chose est nommée. On donne des directions où aller chercher la réponse. Vous avez un réalisateur qui débarque le premier jour avec un acteur, avec Marina Orsini devant lui, puis qui doit lui donner une indication après qu'elle vienne de jouer quelque chose. Il est mieux de savoir de quoi il parle. Alors, ça s'apprend. Et ça s'apprend, oui, sur le tas, mais vaut mieux l'apprendre dans des ateliers. Il s'en donne des ateliers. Moi, j'en donne des ateliers de formation d'acteurs. Pour le métier, ils se donnent des ateliers de réalisation, ils se donnent des écoles de réalisation. Et il vaut mieux mettre un maximum de chance de son côté pour que quand on cadre un jour une image ou qu'on fait donner quelque chose à un acteur, il y ait quelque chose qui se passe, qui nous démarque du reste. C'est tout ce cheminement-là que je dirais aux gens qui commencent ou qui veulent commencer. Aller gagner des années d'expérience, au moins aller apprendre l'outil chez des gens qui sont en mesure de vous le montrer. Après ça, ce sera la vie comme tout le monde, puis vous prendrez votre expérience avec la matière humaine, puis avec l'esthétique, puis avec l'art, etc., qui ne peut s'apprendre qu'avec le temps. Les écoles de cinéma peuvent nous permettre d'avoir les outils pour faire ça. Personnellement, je trouve la théorie extrêmement importante. Et je trouve ça très important de voir des films, mais alors là, pour moi, c'est fondamental de voir beaucoup de films, surtout des films des grands auteurs. Ben, moi, c'est ceux-là qui m'ont le plus appris. Moi, je dis souvent aux étudiants, mettons, si tu es en littérature, il faut que tu te tapes Dostoïevski, il faut que tu te tapes Balzac, il faut que tu te tapes les grands auteurs. Si tu veux devenir cinéaste, il faut que tu te tapes
Les Kurosawa, les Tarkovsky, les Bergman. Il faut que tu apprennes ta grammaire. Des cinéastes importants comme, je sais pas moi, Bergman, Kurosawa, Tarkovsky, Bresson, Dreyer, c'est toutes des gens qui ont exploré l'âme humaine comme des grands auteurs en littérature, comme d'autres au théâtre ou ailleurs. Mais quelqu'un qui n'aurait jamais fait d'école, puis par contre aurait vu beaucoup de films ou aurait tranquillement exploré le médium, soit par la vidéo, soit autrement, va parvenir peut-être à faire un film qui peut être digne d'intérêt. C'est, y a pas de règle comme telle. Quand on parle de position de caméra, de style de caméra, quand on parle de style de lumière, quand on parle de... Oui, c'est merveilleux tout ça, mais ça, c'est... Ça s'apprend. Ça, c'est des choses que tu peux intellectuellement approfondir, connaître. Mais il y a quelque chose d'inné chez un réalisateur, quelque chose que t'as ou que t'as pas. Et je pense que c'est la vision. Je crois que ce n'est pas approprié de devenir réalisateur ou de vouloir le faire si on n'est pas assez convaincu de sa volonté de dire des choses, d'affirmer une certaine vision. Un réalisateur, c'est aussi ça, tu sais. C'est pas quelqu'un qui... Ça peut pas être seulement aller à l'école puis apprendre placer la caméra. C'est bien plus que ça. Parce qu'on est là aussi pour transmettre quelque chose de l'être humain. On n'est pas juste là pour faire des images. Moi, je crois pas à ça. quand il y a une manif dans les rues, vas-y, va voir comment le monde manif. Va dans les centres d'achat, va regarder le monde, va espionner le monde, va... Nourris-toi de la société dans laquelle tu vis si tu veux pouvoir en témoigner. Il faut essayer, dans la mesure de nos moyens, d'atteindre une certaine vérité, un sens qui nous fait en sorte qu'on rejoint un autre être humain avec ce qu'on cherche à dire. Et je crois que c'est important de savoir qu'on a cette volonté, cette détermination pour travailler dans le métier. Parce que moi, je pense que pour faire un film, c'est d'abord le lien établi qui compte et que tout doit découler de ça. Le chemin par lequel on risque d'arriver là où on veut n'est pas toujours celui qu'on a pensé suivre. Alors, je pense qu'il faut être tenace puis il faut faire confiance. Il faut se faire confiance à ses intuitions aussi. De ne pas avoir peur d'être sérieux des fois un peu, de faire les choses avec, d'y croire vraiment, puis de faire les choses avec un certain sérieux. Tu sais. Alors, si j'avais une chose à dire à des jeunes réalisateurs, ce serait sois fidèle à la vision que tu as, sinon il n'y a plus rien qui vaut la peine.